Très heureux d'accueillir cette nouvelle édition de Business Valley. Aujourd'hui, une nouvelle fois, la Côté de Commune Baugeois-Valley va à la rencontre des professionnels. Le thème de Business Valley, c'est donc l'éco-construction. Et derrière ce thème, c'est toute l'économie donc portée par la Côté de Commune qui est en lumière. Aujourd'hui, notre volonté, c'est de poursuivre notre développement économique sur le territoire. Et l'arrivée des MTIT sur notre territoire est un signal fort. C'est la première réussite importante de notre cellule développement économique. Et on est vraiment ravis que MTIT ait choisi le territoire Baugeois-Valley pour s'implanter. Lorsque j'étais nommé à la tête de la structure, l'objectif était de redonner une dimension économique viable à la coopérative. Donc on a été très bien accompagné et bien écouté. On n'a eu aussi que des facilités à travailler avec les équipes locales. Beaucoup de solutions nous ont été apportées parce que le projet a été au départ plus compliqué que complexe, avec beaucoup de lourdeur et de problématiques administratives, mais qui ont été aussi très rapidement levées par le service de l'urbanisme de la ville de Beaufort, par exemple, et derrière aussi l'appui économique des services de la collectivité. Alors dans ce type de bâtiment qu'on a réalisé pour le compte de l'entreprise MPIT, on a bien sûr voulu leur faire un bâtiment avec le plus possible de matériaux biosourcés et principalement du béton de chanvre, puisqu'il se trouve que le chanvre il a plusieurs applications possibles dans le bâtiment et dans l'univers de la construction. Donc ici on l'a utilisé dans les murs, principalement sur une épaisseur de 25 cm associée avec une structure bois. Le gros intérêt de l'avoir dans les murs, c'est sur le confort d'été, c'est-à-dire que c'est un matériau dit à inertie. Il apporte une masse au bâtiment et cette masse, elle va avoir pour effet en été d'avoir une atténuation des pics de chaleur, comme on peut connaître en ce moment de plus en plus, qu'on parle beaucoup du confort d'hiver, mais le confort d'été, ça va devenir aussi l'enjeu de demain et le chanvre permet d'y répondre. La Côté de Commune porte un PCAET, un plan climat, air, énergie territoriale, et notre première préoccupation dans ce plan, c'est de favoriser le développement d'activités durables.